Hop, je leur diff. J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais d'abord les amiibo ou on va d'abord au domaine Zora? Parce qu'aujourd'hui, oui, on va. Yo, Gen Flash. Aujourd'hui, on va faire très certainement la créature divine Vamedo, je crois. Non, pas Vamedo. Varuta? C'est Varuta, je crois. Il me semble que c'est Varuta. Vous savez quoi, on va faire les amiibo tout de suite, ça sera fait. C'est le rituel de début de stream. C'est les amiibo. Alors je vais les prendre, voilà, ce sera plus simple comme ça. Paf. Et on est parti. Hop. Comme ça, le temps de faire les amiibo, tout ça. Des gens qui arriveront. Allez. Oh, ils me donnent pas les trucs. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est stylé. Oh, l'arc de fou. Attends, c'est giga stylé. Ah, ça fait forcément une flèche de lumière. Non. Mais c'est giga stylé. Oh, mais il est trop classe. Mais il est juste trop classe. Ah ouais, c'est forcément des flèches de lumière. Wouah, mais c'est trop stylé. Ok, bon bah déjà, voilà. Les amiibo, c'est trop bien. Oh, l'arc de fou. Incroyable. Moi, ça va très bien, du coup. Désolé, Eugène, j'ai pas répondu à ta question. J'espère que tu vas bien aussi. Alors, toujours les Joy-Con qui ont du mal. Hein. On change pas. Alors, masque de Shake, c'est bien, mais je crois que je l'ai déjà. Ouais, je l'ai déjà, donc on va pouvoir le vendre pour la prochaine fois. Ça va très bien, bah impeccable alors. Impeccable. Le nez qui croustille. J'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des rubis. Ok. Et là-dedans. Ok, j'aime Nox. On peut pas avoir des dingueries à chaque coffre. Hein. Ça serait trop beau. Allez. Ok, flèche électrique. J'espère qu'il est résistant, l'arc de lumière, parce que sinon, ça va être relou. Mais incroyable. Incroyable dans tous les cas. Ok, des pommes. C'est quoi l'amiibo? Ah, c'est le premier Link. Culotte du prélude, d'accord. Culotte du prélude. Ça, je vais avoir un style de fou avec ça. Royal, c'est pas mal. Vous avez pas de place? Bah, en vrai, c'est vachement bien quand même. Donc, on va dégager une petite arme pas folle. Ça, je vois que ça a pas l'air fou. Ça dégage. Paix royale. On continue. Oui? Allô? En plus, plus il y a de coffres, plus ça va laguer. Le jeu, il a du mal quand même. Et... Attends un peu mon son, parce que... J'entends pas grand-chose. Voilà, là, je suis bien dedans. J'ai monté mon son. N'hésitez pas à me dire si le son est assez fort. Je pense que oui, en vrai. Je pense que c'est bon. Mais sinon, redites-moi. Bon, épée royale à l'infini, j'en veux pas 35 000 non plus. Oui, très bien, bon, bah, impeccable alors. Impeccable. Y'a du vent, y'a les trucs qui s'envolent. Y'a rien qui va. Bouclier, honnêtement, j'ai le meilleur bouclier du jeu, c'est vraiment pas intéressant. Sers-toi de ma rage quand tu veux.
Comme ça nous fait un petit stock de flèches, de 2-3 trucs pour le domaine Zora. Ouh, 40 quand même, c'est pas mal par contre. Hein. 40, c'est énervé. À la place de ça, même si c'est plus résistant, on s'en fiche. Oh, il est trop stylé l'arc, hein, vraiment. Il est vraiment trop stylé. Ok, on va passer aux amiibos intéressants, là. Allez. Le coffre, il s'envole. Draco et Pieux Boko. 12, c'est de la merde. Clairement. Lance d'écaille, c'est de la merde aussi. Un jour on trouvera un truc bien. En vrai on a une dinguerie, hein. L'arc il est quand même incroyable. Hein. En plus du coup ça me donne flèche infinie l'arc. C'est ouf. En vrai c'est incroyable. Arc du faucon, bah du coup non. Il fait combien de dégâts l'arc Il fait 37. Ah ouais non vraiment il a l'air fort. Hein. Il a l'air fort, on l'essaiera bien évidemment. Même si j'ai pas envie de le détruire mais... Il est là pour être utilisé de toute façon. Ça a l'air fort. Hein. Ouh, diamant, ça c'est très très bien. Un diamant, moi je prends tous les jours. Merde, c'est pas le coffre que je voulais ouvrir. Cimetière clair de lune, on s'en fiche. Allez, allez, merci. Majora's Mask. Je crois que du coup Majora's Mask on a tout. Je sais pas s'il donne une arme en vrai le Link Majora's Mask. En tout cas il donne des flèches là pour l'instant. Et si vous voulez savoir ce que donnent les amiibo dans le chat, je sais pas s'il y a toujours la commande. Vous pouvez faire point d'exclamation amiibo. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait vous donner... ça devrait vous montrer un lien où vous pouvez avoir les récompenses. Si ça vous intéresse de savoir quel amiibo donne quoi. Coiffe du ciel. Est-ce qu'on l'a la coiffe du ciel? Bonne question. Je suis pas sûr de l'avoir. Je suis pas du tout sûr de l'avoir la coiffe du ciel. Alors là c'est celui du Link Twilight Princess. Donc on a tout. Ouais. C'est pas très important. Et le dernier, le Link d'Ocarina of Time. Ça part en couille à chaque fois. Qu'est-ce que ça donne? Coiffe du temps, d'accord. On a toutes les coiffes. Vas-y, montre vite fait ce que ça donne, tout ça. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et... Alors. On a la coiffe du temps, la coiffe du vent, la coiffe du crépuscule... La coiffe du ciel qu'on n'avait pas, du coup on l'avait pas la coiffe du ciel, la coiffe du temps non plus. Si on regarde, c'est pas exactement la même couleur. Pour l'instant, on va mettre crépuscule, c'est bien mieux. La coiffe du ciel, c'est spécial. Hein. Coiffe du ciel, c'est spécial. Et on a eu aussi culotte du prélude. Oui, pourquoi pas, mais... pour l'instant, non merci. Oh là là, le Joy-Con qui a du mal, on va changer de manette. On a fait tous les amiibo. Hop, on est parti avec une vraie manette. Voilà. On est quand même bien mieux comme ça. Point d'exclamation amiibo. Je vais regarder si la commande marche toujours, tiens. Ouais, il y est toujours. Elle fonctionne toujours. Alors on va s'habiller un petit peu mieux. Vous savez quoi, on va carrément... Voilà. Et là, honnêtement, on peut pas être mieux habillé. Ah, il y a même pas d'arc avec ce... Enfin, il y a même pas de carquois avec ces flèches-là. Non, mais c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Trop stylé. Le Link ultime, il est là. On est parti. On est là pour libérer Hyrule. On est parti. Ça n'a aucun sens. Boudoudoudoum. Tout ce
ce que je vois, c'est un sanctuaire. Hein? Salut! La colère, ok, ok. Est à ta disposition. On a tous les pouvoirs des créatures divines, pour l'instant en tout cas. Ok, ok. Oh la pluie, ça fait laguer le tout, c'est une dinguerie quand même. Hein. Je savais bien qu'il était pas très fluide le jeu, mais je me souvenais pas qu'il était si peu fluide en fait. C'est quand même assez fou. On va faire le sanctuaire vite fait. Ça sera fait. On va pas avoir beaucoup d'emblèmes du triomphe. Ah, j'en ai 4 quand même. Hein. Je peux reprendre un cœur si je veux. On prendra peut-être plus de long. Ah, quoi qu'on est en expert. Je sais pas c'est quoi le mieux, honnêtement. Honnêtement, force de pression. What the fuck. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mmh. Oh là. Oh là. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y en a une qui va me tomber dessus, tu vas voir. Oh, on est vraiment pas à grand chose, hein. Vraiment pas à grand chose. Je vais juste prendre le coffre là-bas. On est bon, 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 on est bon. Ok. Alors du coup il faut que je me débarrasse d'une arme. On va se débarrasser de ça, tant pis, c'est un poil mieux mais bon. Pas le choix. Oui, durabilité plus plus, ça peut toujours être sympa. Alors, comment on fait? On va d'abord faire tomber ça. Là, il faut la pousser. Alors si je fais... Si je fais ça, tu vas... Qu'est-ce qui va se passer? Ok, ça sert à rien. Donc là, tu roules pas. À juste faire gaffe, je pense, c'est que... Là, il va aller là-bas. Là, tu vas tomber, là. Là, tu vas juste... Tu vas juste tomber, là. Il faut qu'il aille là-bas. Alors en gros, faut que j'enlève ça et après que je l'immobilise. Oh la puissance. Ok. Bon, ça va. On est pas trop mal sorti, on va dire. Je peux le faire rouler ou pas? Pas du tout. C'est bon là, non? Impeccable. Est-ce qu'on a tous les coffres? On a tous les coffres. Eh bah, let's go. Let's go. Continuons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va direct faire... Je pense que le mieux, c'est de directement faire la créature divine. Comme ça, on n'en parle plus. Comme ça, on n'a pas la pluie, ça lague moins, il fait beau. Et au moins, on débloque toutes les quêtes plutôt que faire le village. Faire la créature divine et de revoir faire tout le tour encore une fois du village parce qu'on a... On a fini la créature divine. Vous vendez quoi ici?
Pas grand chose, on dirait. Ah non, c'est pour dormir, d'accord. C'est pour dormir, là t'as de quoi faire à manger. Ce sera quand du Xeno? J'ai fait un planning, mon ref, tu peux faire point d'exclamation planning si tu veux. Ouais. Ils vendent quoi? Ouais, 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 des flèches de glace. Ok, bon, allons voir le roi, je pense que ce sera le mieux. Elle arrive pas à toucher à... Elle arrive pas à toucher à la flèche électrique, bon je te la prends. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Attends, je retrouve enfin, voilà. Le profond de mes propres mains, de quoi tu parles? Ah. On me reproche des choses. Ah, là il y a une statue, je vais pouvoir récupérer un petit cœur. Ouais, on va prendre un cœur. Je pense que ce sera le mieux. Ok. Bonjour, cinématique. J'ai la flemme de lire, hein, donc on va skip un petit peu. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. En fait, ils ont pas oublié qui on était. Hein. Yo 147, je vais t'appeler 147. Hein. Je sais pas si ça te va. Mais voilà. En fait, ils se souviennent de qui on est, parce que je crois qu'ils vieillissent lentement, on va dire. Ou ils vieillissent longtemps, bon. Je suis amnésique. Ça ne dit rien. Seum. De nous venir en aide. Oui, 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 oui. Oh là. Il est pas content.
Ah d'accord, juste parce que je peux résister à l'électricité, vous, d'accord, ok. Eh ben, dis donc. Voilà, c'est pour ça que je suis là, en fait. Le mec à gauche, il a pas l'air content. Armure Zora, let's go. Elle permet de remonter les cascades comme un vrai saumon. Let's go. Ok. Ok, je vais juste mettre la tenue du coup. Let's go! Pour être en raccord avec le lieu. Le style. Bon, du coup, ça va pas avec le reste. Attendez. Ça va pas du tout avec le reste. Je peux mettre ça, mais bon, j'ai quand même beaucoup moins de style. On va pas se mentir. J'ai tout de suite beaucoup moins de style. Qu'est-ce que je peux mettre qui irait bien? Ah, j'ai ça, vitesse nage. Après, bon, niveau tankiness, c'est pas fou. Hein. Ça passe à moitié, on va dire, parce que bon, du coup, voilà, j'ai plus l'air énervé qu'autre chose. Mais pourquoi pas? Je sais plus si on peut avoir le reste de la tenue avant d'avoir fait la créature. Il y en a qui savent. En vrai, je prends de fou. Hein. Ça passe peut-être mieux. Ça, non. Ça, absolument pas. Ouais, ça passe peut-être mieux. Ça, ouais, non, ça, c'est bien. On est déjà un peu mieux. Allons-y. Honnêtement, je sais plus. Pardon. Regardez s'il n'y a pas une quête ou si ça s'achète, j'en ai aucune idée. Je sais, il me semble qu'il y en a. Il y a une pièce juste au-dessus là. Juste au-dessus de cette cascade. Tu peux avoir soit le bas, soit le haut. Mais alors l'autre, je crois que c'est dans une quête. Mais alors laquelle? J'en ai aucune idée, honnêtement. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis jusqu'ici, je n'ai rien à te dire. Alors qu'il est juste là, mais Link est celui dont Mipha a été prise. Choqué. On va le seum. Ah, du coup, il va regarder, il va se souvenir. Let's go. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite.
Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand... quand nous étions tous les deux des enfants. Elle a quel âge, Mipha? C'est ses stylés souvenirs. Je me souviens, comme par hasard. Regarde bien ce que porte Link. Change de tenue tant qu'il te plaira, je n'ai... Ah! Ah, dis-moi tout. Mais ça se trouve, j'en ai déjà plein en plus des flèches électriques. Hein. Moyen d'en rassembler rapidement, il est très fier de moi, mais j'en ai déjà fait, vous inquiétez pas. C'est bon, c'est tranquille, vous inquiétez. Moins 20 flèches, mais ça se trouve, j'en ai. Oh, putain, d'ailleurs, je peux remettre la cam, c'est bon, plus de cinématique. Let's go. J'aimerais bien trouver quand même l'autre morceau d'armure. Hein. Je crois qu'il est dans le village, mais alors comment on l'obtient? Je ne sais plus. Je sais qu'il y en a un dans la cascade, mais... Où est l'autre morceau, quoi? C'est ça que je me demande. Des fruits d'oiseaux, d'accord, pourquoi pas. Ah, j'en ai aucune idée, c'est fou. Sonate quête. Maître Link. Ça me dit rien. Non, mais vraiment, je me demande où je pourrais trouver ce que je veux. Ah, lui là-bas, il a une quête. Peut-être, hein. En vrai, bah du coup, on va commencer à faire les quêtes. Il me semble que c'est ça, hein. Dans mes souvenirs, c'est il y en a un qui a une quête. Et en récompense, il me donne un bout de l'armure. Des matériaux, oui, pour effectuer des réparations. Une gemme Nox. Moi, j'en ai. 10 gemmes Nox. J'en ai combien? J'en ai 21, tiens.
Cadeau. Putain, il est relou. Ah non, il me donne un diamant. Quel dommage. Oh, il m'en donne un. Ok, d'accord. Donc maintenant, si on lui ramène des gemmes Nox, il nous donne des diamants, ce qui est vraiment pas dégueu en vrai. C'est, tu peux farm vachement vite le diamant du coup. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Vous n'avez pas de quête? Ah, une quête. Bonjour, je suis Link, c'est ça? Ouais. Le mec qui était arrêté à créer avec l'aide de Link, qui vient, j'ai dit que tu comptes. Ouais. En ce cas, j'ai une faveur à te demander. Ouais. Le monde de la faune, un monstre à la crinière rouge appelé Linel y vit. Je voudrais que tu me montres à quoi ressemble Linel. Peu importe s'il s'agit de celui que tu m'offres ou d'un autre. Tu peux faire ça pour moi, ouais. C'est la méthode que tu préfères, je veux juste voir à quoi il ressemble. Bah ouais, du coup ce qu'on va faire, parce que je sais qu'il y en a un là-bas, vu qu'on est en expert. On va aller le photographier, puis on va lui montrer. Ça va être rapide, plutôt que bah, de continuer l'histoire. Ça sera peut-être mieux comme ça. Allons faire ça vite fait. Ça va être mieux, je pense. Je pense que ce sera mieux, clairement. Touk 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 touk. Allez. Tu peux le faire. Eh ben dis donc. Et du coup... Faut juste le prendre en photo. Hop. Il est par là-bas, je crois. On va s'envoler. Ça sera plus simple. On le prend en photo et on y retourne. Ah, je sais vraiment plus comment on l'a, cette tenue. Cette partie d'armure. Et là-bas. Il est blanc ? Pas droit. On va vraiment pas l'affronter. J'imagine que ça lui va, la meuf. Alors il faut que je m'approche plus. Oh là, oh là, oh là. Waouh, waouh, waouh. Allez, bisous. À la prochaine. Merde, c'est pas là. C'est où le domaine Zora? C'est là. A plus. On va dire que c'est bon. J'espère. J'espère que c'est bon. Mais normalement, oui. Alors. Je trouve qu'il fallait vraiment prendre celui qui était au monde du péril, ça s'appelle comme ça? Non, je sais plus. Bref. J'ai dit, j'écoute pas ce qu'ils disent. Ouais, 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 merci. Oh, quand t'arrives ici avec la pluie et tout, ils chargent tous les personnages. Le domaine Zora, ça lag. Hein. Je pense que s'il fait beau, ça ira un peu mieux, mais waouh, il a du mal le jeu. Yo, j'ai une photo! Ah, mais non, mais faut vraiment que je prenne une photo de celui du monde de la foudre. Monde du péril, je crois que c'est autre chose, c'est dans Twilight Princess. Attends, quoi? Elle m'a dit quoi? Comme tu es en Ilien, tu auras besoin d'une armure Zora pour y parvenir. Au fait, Link, tu réussis à dénicher une armure Zora, ne me dis pas que c'est celle de la princesse. En plus, ça me parle d'une armure, donc c'est étrange que... Oh là! Je pensais pas que c'était aussi profond. Pas de quête, non. Non, pas de quête. Du coup, j'hésite à regarder vite fait sur internet. Comment j'ai la tunique Zora. Je vais regarder vite fait parce que ça m'intrigue. Et je sais plus du tout comment on l'a. Et j'aimerais bien faire toute la créature divine avec ça.
ça peut être bien. Ah bah c'est la meuf qui ont parlé. Les jambières en fait, tu les as... ok. Tu les as en prenant en photo le linel. Donc bah let's go le linel du coup. Let's go le linel. Comment on va monter, c'est la question. Bah depuis cette cascade là je pense. On va faire un petit tour. Ah mais ici c'est profond, à chaque fois j'oublie. C'était bien elle. Alors on peut monter par là, ouais. Mais je crois que là-bas il y a une armure Zora là-bas. Donc faut qu'on y aille. Pour ça, faut monter la cascade là. Alors. Ouah, ça glisse. Oui, forcément l'escalade du coup. Ouais, compliqué l'escalade du coup. Ok, ça devrait aller. On devrait pouvoir monter facilement. Ouah, le giga truc. J'ai pas fait gaffe. Let's go! Allez, remonte cette putain de cascade, Link! Il me voit quand je fais ça? Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit, on me voit. On me voit complètement. Ok! Et je crois que c'est ici. C'est quoi ces arbres là? Ça donne des trucs? Non. Alors. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est ici. Ça se trouve pas du tout. Mais il me semble que c'est ça. Hein. Ah ah. Il faut le savoir qu'il y a un truc ici, hein, vraiment. Hein. Après, il y a des ruines et tout, tu peux t'en douter, mais... La vache. Faut vraiment le savoir. Bon, on ressemble à rien, mais... C'est pas le principe. Ok. Ah! En fait, t'as un bonus de 7 quand tu t'équipes de tout, donc forcément, c'est mieux. Mais limite, c'est... t'as quand même plus de classe avec les boucles d'oreilles, quoi. Je sais pas s'il y a un sanctuaire, quelque chose, ici. Je pense pas, hein. Ça m'a l'air globalement assez vide. Ouais, j'aime Nox pour la quête de l'autre, très certainement. Y a pas l'air... d'avoir de sanctuaire. Non, comme ça, j'en vois pas. Hein. Allons vers là-bas. C'est là qu'il faut qu'on aille. Continuons. Et des ennemis. Sachant que là, il n'y a plus trop besoin d'eau. On va peut-être s'équiper d'un truc plus résistant. C'est compliqué, sinon. Ok. Et... crépuscule. Wouah, la full 7 crépuscule. Et on est y part. Ça fait des dégâts du coup, ça? Ah oui, d'accord! Oh non, mais c'est pété! On va affronter le linel avec ça. Mais c'est trop fort comme arme! Mais c'est beaucoup trop fort! C'est quoi la description de l'arme? Alors. Arc du crépuscule. Armée de cet arc. Habité par le pouvoir des esprits, une princesse affrontée, une maître... Ses traits filent droit, tels les des rayons de lumière.
Non mais what? Ça one shot. Ça n'a aucun sens. Glisser, ça va faire du bruit. Tout va bien. Oh non, le fail. Oh non, le fail. Oh non, le fail. Ah! J'ai combien de flèches électriques au final? Ah, j'en ai 19, hein. Ah, c'est cool. Donne ton stuff, donne ton stuff. Oh, il a rien drop. Ah si. Je vais dire, attends. C'est énorme. Et du coup, il a prévenu personne. Il y a personne avec lui. Loser. C'est fou qu'il n'y ait pas de sanctuaire. C'est juste une montagne, quoi. Il est grand, le jeu, en fait. Ça fait longtemps que j'y avais pas joué. Les endroits où je suis allé beaucoup plus que d'autres, quand tu rejoues comme ça, les endroits où tu vas beaucoup plus. Et celui-là, c'est peut-être... ouais, j'ai peut-être dû faire ça une ou deux fois grand max. Hein. Ok... Ah, il y a des flèches. Un lézard tempo, toujours bon à prendre. Et du coup, j'ai envie de tester l'arc de lumière face au Linel. Est-ce que je one-shot un Linel? Ça serait l'arme la plus broken du jeu. Hein. Si c'est le cas. Où est le Linel? Ah, bah, il n'était pas là. Stylé. On était obligé d'affronter un Linel, quoi. Limite, le Linel est plus dur que... Ouf. Le Linel est plus dur que le la créature divine en elle-même. Hein. Hop, petit Linel. Voilà. Bon, ça va, il est pas monté. Alors, niveau dégâts. Ça lui fait pas de dégâts. Ça lui a rien fait du tout, au Linel. T'as peut-être pas le droit de tuer des... t'as pas le droit de one-shot des Linel, très certainement. Ouais. Oh, ça va, je tank pas mal. Pas trop mal. Est-ce que mon... Non, mon épée brille pas. Oh la vache! Oh, aïe! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! On a un petit plat vite fait. Histoire qu'il me one-shot pas. Oh là, oh là, oh là. Wouah! Il pleut plus. Allez, dégage. Ok, il va m'agresser, il va arriver, il va m'agresser. Waouh! Ok. Wow. Compliqué, hein. Allez, bisous. Pouk. Du coup, il va me donner des armes pas trop dégueu. Épée de Linel. On prend. Arc de Linel, bouclier de Linel. Alors là, c'est quoi que tu m'as pris? Bouclier, moi je veux l'arc. Voilà. Ça ressemble à rien, mes photos, mais on est bon. Parfait. Alors, et au niveau des arcs, dégage-moi ça.
Attendez, je suis full. Alors, faut faire gaffe à pas effacer du coup la photo du Linel. Non, non, non. Alors, comment je fais? Moi, je voudrais juste effacer, voilà. Ah, parfait. J'ai juste pas effacé mon Linel, en fait. Voilà, comme ça, ça fait un peu de place. Yo, Yacine, du coup. Yo, yo, yo. J'espère que tu vas bien. Et j'ai toujours mon Linel. Parfait. Ton live se passe bien? Bah ouais, impeccable, impeccable. Mon objectif. Et on l'aura atteint très certainement. Très largement, parce que je pense que là, on est là jusqu'à 20h au moins. C'est de finir Varuta, si ça s'appelait comme ça. Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais finir la créature divine des auras, quoi. Et après on fera très certainement d'autres trucs parce que je pense dans d'ici 2-3 heures c'est fini là. Enfin même pas une ou deux heures hein, pour la créature divine je pense. Donc après peut-être qu'on se fera des cours au goût, je sais pas, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Je récupère toutes les flèches électriques que je peux du coup. Je connais pas trop Zelda, d'accord. Y'a pas de soucis, bah écoute. Je l'ai déjà fini une fois le jeu. Je crois que je l'ai fini qu'une seule fois. Il est incroyable ce jeu. Et là, on essaye, en gros, l'objectif, c'est de finir le jeu à 100% en mode expert avant que le prochain sorte. Donc on a encore 3-4 semaines, je crois, donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. J'aime bien les speedruns aussi, c'est impressionnant, hein, les speedruns Breath of the Wild. Hein. C'est une sacrée dinguerie. Bah moi, je fais l'inverse, je fais une slow run. Je fais tout très lentement. Que je me fasse à manger aussi, hein. J'ai plus de vie. On va se rééquiper des armes stylées, voilà. Hop. Tu vas récupérer 900 noix, un truc comme ça, voilà, exactement. On va vraiment tout faire. Et pour les noix, je pense le plus pratique, on va dire, c'est je vais procéder zone par zone. Tu vois là, par exemple, j'ai déjà fait celle du plateau du prélude. Peut-être qu'après on fera, je sais pas, peut-être qu'on fera le domaine Zora, peut-être qu'on fera autour de Cocorico, même si j'ai l'impression que je l'ai déjà fait un peu. Donc voilà, je sais pas exactement comment je ferai, peut-être qu'on fera le désert plutôt, vu que le désert c'est vraiment dans le coin et on s'étend petit à petit, je sais pas. Mais je pense que le plus simple, ouais, c'est vraiment de faire zone par zone. Ça me paraît pas mal. Ah oh non, je mets d'une carte interactive, hein, sinon c'est impossible. Si je mets pas d'une carte, je vais jamais y arriver. Oh, y'a un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Guerrier Zora, pouvez prouver votre courage en plongeant dans le lac du barrage. Mais y'a la créature divine, moi je vais me faire soulever. De toute façon, faut retourner au domaine Zora pour que la madame me donne la suite de la tenue. On ira améliorer, je pense. On va faire ça. Oh, si t'imagines tout trouver soi-même, enfin je vais mettre un temps fou hein. Dans 3 mois j'ai pas fini. Tout faire soi-même. Ça aurait pu hein, ça aurait été drôle mais j'aurais galéré hein. Fouiller toute la map de fond en comble. T'imagines t'en rates un là où t'es passé. C'est infernal. Je sais même pas combien de temps ça prend. Avec une carte et tout, bon ça va en vrai. En vrai c'est pas... Par contre pour tout trouver soi-même, j'ai pas envie de savoir non plus. Salut. J'ai ta photo. Elle m'a dit yo. Tadam. Je m'insiste, je vais montrer cette image à tous les jeunes du domaine Zora. Je n'oublie pas ta récompense. Let's go, Jean-Bierre Zora, let's go. Piquable. Bah parfait, voilà, du coup on a la tenue au complet. On a ça, ça, et soit je mets ça,
En vrai, je peux mettre ça, hein, ça peut être sympa, mais bon, on voit pas la gueule de Link. Peut-être après avoir fait la créature divine. Sinon, je peux mettre ça ou ça, mais bon. Comme ça, on a le bonus de 7, on va essayer de l'améliorer. Et du coup, c'est parfait. On est le parfait petit Zora. On va aller l'améliorer. Tac, tac, tac. Fontaine de la Grande Fée, là-bas. La question, c'est est-ce que je peux l'améliorer ? Parce que du coup, il va me demander des trucs en rapport avec le domaine Zora, sachant que j'y suis depuis 30 minutes max. Il va me demander des trucs que j'ai pas, c'est sûr. J'aimerais bien améliorer au moins chaque truc niveau 2, voir le bonus de 7, mais vraiment pas sûr. Là, j'en demande peut-être un peu trop. En tout cas, j'ai un flow à toute épreuve. Ça, c'est sûr. Moi, je vais vachement vite. Ah, mais c'est parce que j'ai la potion de vitesse. Je me suis dit, putain, mais je vais vite. Oh, des fées ! Non ! Mais j'ai appuyé sur le bouton. Ça, c'est pas mal, les fées. Hop là, parfait. Il y en a une dernière. Non, t'en vas pas ! Et... oh, je l'ai eu. Incroyable. Est-ce que aller dans la fontaine, ça me régène ? Bonjour. Absolument pas. Les rendre très résistants. Donc déjà, tu peux améliorer ça. Avec des cornes de les alphos, c'est parfait. Qu'on soit un petit peu plus résistant, quoi. Vas-y, améliore, améliore. Et du coup, après, c'est quoi ? Faut l'améliorer avec quoi ? Oh bah c'est bon, on peut les améliorer niveau 2, tous. Impeccable, ça c'est trop cool. On va pouvoir améliorer tout niveau 2. 3, ça m'étonnerait par contre. 3, ça m'étonnerait fortement. Ok. C'est pas la tenue la plus tanky. C'est avec des griffes de les alphos et des perches d'Hyrule. Ça, c'est pas le truc le plus coûteux au monde. Ok. Je sais pas c'est quoi. Ça se trouve, y a pas de bonus de 7 vu qu'il y en a déjà un de base. Ça se trouve, y en a même pas. Hein. Ok. Faut des perches max. Ah ouais, perches max par contre, t'abuses. Hein. T'abuses le ref. Bon, ça sera déjà bien. Niveau 2, on va dire que c'est le minimum, parce que t'as le bonus. S'il y en a un sur cette tenue, je suis même pas sûr. Alors, du coup. Alors, j'ai peut-être d'autres trucs à améliorer... là, je vois que je peux augmenter les boucles d'oreilles. En vrai, s'il n'y a pas de bonus de 7, ouais, je vais totalement améliorer les boucles d'oreilles. Parce que j'ai quand même plus de style avec les boucles qu'avec le vieux chapeau Zora, là. C'est quand même beaucoup plus classe. Ouais, je peux, je peux. Je prends, je prends. C'est pas plus résistant, mais plus stylé, on va dire. Ah non, ça je peux l'améliorer par contre. Donc s'il n'y a pas de bonus de 7, en vrai ça vaut plus le coup de prendre ça. Vu que c'est que des cailloux. En fait tu sais quand la suite sort, le 12 avril ? Le 12 avril il me semble. J'ai vu la pub sur une vidéo YouTube tout à l'heure, je crois que c'est le 12 avril. Écailles de Rordrak. Eh bah dis donc, t'en manques des trucs. Hein. Ah, il est que niveau 11. Enfin, que niveau 1, ce truc. Pourquoi j'ai dit 11? Je peux augmenter le truc pour être silencieux. Ou est-ce que furtif? Ça, il me faut fragment d'étoile.
Déjà, ouais, c'est pour ça, hein, c'est... ça me laisse pas énormément de temps non plus pour finir le jeu. Pour ça, on va essayer de se motiver un peu. Ok, bon, on est parfait. Allez, à plus. Du coup, ça dit quoi? Est-ce que j'ai un bonus de 7? Ouais, mais le bonus de 7, en fait, c'est à partir du moment où t'as la tenue, ouais. Ah non, il y a quand même un bonus de 7. Ok, j'ai rien dit. Il y en a quand même un. Accélération, nage. Ok, donc tu vas encore plus vite quand tu nages. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est que déjà que je vais vite, alors là, je vais encore plus vite. Ok, bah restons comme ça. On va peut-être aller changer la couleur. Voir ce qu'on peut... ce qu'on peut avoir comme couleur. Vite fait. Du coup, monte vite fait. Oui, bah tu... tu vas vite, peut-être. Ouais, j'ai pas l'impression d'aller... j'ai pas l'impression d'aller extrêmement vite, mais... pourquoi pas. C'est pas là, le domaine Zora. Je sais pas pourquoi je me dis que tout le temps que c'est là. Mais je voulais changer la couleur. Donc pour changer la couleur, c'est ici. Du coup, je pense qu'à partir de maintenant, avec les emblèmes du triomphe, tout ça, on va prendre de l'endurance, parce qu'on va déjà être à 15 cœurs, là, avec le... la créature divine. 15 cœurs, c'est pas mal. On... après, je viens d'affronter le Pierre Linel, on va dire, mais il me faisait pas énormément de dégâts. C'est juste moi qui étais extrêmement nul. Pas trop mal. Je pense que niveau cœur, on est bien. Après, à limite, c'est surtout augmenter l'armure, hein. Et au pire, manger des trucs qui nous rendent plus résistants. Alors, qu'est-ce que ça donne si je change la couleur? Dis-nous tout. Blanc, c'est sympa. Je sais pas pourquoi ça rend mieux qu'avec du bleu. Ouais. Ah, j'aime bien comme ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Elle est classe comme ça. En jaune bof, rouge comme ça, ouais, pourquoi pas. Dites-moi si vous voyez un truc que vous préférez, puis je le prends. En vrai, dites-moi. J'hésite entre blanc, marron ou rouge foncé. Noir, c'est trop bizarre. Blanc, c'est sympa. Hein. Marron, ça change. Et rouge, bah, c'est rouge, donc c'est stylé. J'hésite. Bon, après, je me dis, une tenue Zora rouge, c'est spécial, non? Mais après, c'... ah, je sais pas. Moi, j'aime bien. Prendre du rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est pas trop coûteux? Ouah, fruit d'oiseau, let's go. Hop. Let's go! Et on est bon pour aller faire la créature divine. C'est parfait. Ah ouais, stylé. Stylé, stylé. Incroyable! Du coup, on va aller rejoindre Sidon pour se faire la créature. Ça va aller vite, hein, je pense, la créature, honnêtement.
Ça va aller très très vite. Je crois qu'elle est pas dure. Hein. C'est peut-être la plus simple même. Il me semble. Ah, je sais plus. Je sais plus trop. De mémoire, là, tu me demanderais la plus simple, je dirais que c'est celle-là, donc... Je sais plus trop. Alors, comment on y va? Par là-bas, ok. Hop là. Vas-y, vas-y. Impeccable. Ah, c'est pas un... C'est pas une cascade. Ah, c'est con, ça. Ça, c'est con. C'est pas une cascade du tout. Alors, une cascade, s'il vous plaît. Il y en a une là-bas, mais du coup, je suis baisé, là. Alors, peut-être si je fais ça... Vite fait. Voilà, parfait. Non ! Oh, je me suis fait arnaquer, là. Vite, 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 avant que le souffle, il s'en aille. Vite, vite, vite. Remonte, remonte, remonte. Aussi vite que tu peux. Parfait. Alors du coup... Ça glisse. Ok. Tout ça pour ça. C'est bien raté. Oui, pourquoi pas, en vrai. C'est juste pour tirer des flèches électriques. On va se débarrasser du reste. Voilà. Et là, on a du style. Un peu. Ah, tu peux dormir ici si tu veux. En vrai, je vais le faire, hein, si je peux. Ah ouais, je peux dormir, let's go. Parce que... J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Tout simplement. Parfait. Et là, on est bien. On fonce. Il y a un coffre là-bas. Et là, ça donne des flèches électriques. Non, un bouclier. Je suis de la même couleur que lui, le fanboy. Hey. Oh, le style. Ah merde, ça revient. Je vais pas utiliser des flèches électriques là-dessus. Aïe. Maintenant. Vas-y, maintenant.
Bah, il est où mon arc? Vas-y, tire! Tu as réussi! Accroche-toi! Occupe-toi de la glace! Waouh! Ah! Ah, de zigzaguer! Il fait des pics quoi. C'est parti. Ah, mais pourquoi tu m'emmènes là-haut? Pourquoi là? Non, fallait m'emmener de l'autre côté. Ah, oh, il est pas malin, Sidon, il est pas malin. Il est pas malin, je te le dis. Ah, oh, c'est quoi le problème? Pourquoi? Ah. Je me suis pris un bouclier dans la gueule. Oh la vache. Alors là. J'ai réussi à en toucher une, je crois, derrière. C'est pas plus mal. Oh genre, je l'ai cassé et ça m'a touché quand même. Parfait. On va attendre un peu, histoire qu'il m'emmène au bon endroit, mais je crois que c'est bon là. Fonce! Merci Unity pour le follow. Ah. Non. L'échec. C'est bon. Yo Jules, yo, j'espère que vous allez toutes bien. Beau travail, Link. La créature divine a arrêté de déverser de l'eau. Bien sûr, ce n'était rien de plus que la première étape. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Let's go. Je te souhaite bonne chance. Nous nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai. Si, il y a de la VF. Oh non, mais les cinématiques, par contre, les cinématiques avec les voix et tout, elles sont incroyables. Hein. Elles sont absolument insane. Hein. Quand il y a des cinématiques importantes, tu les as et elles sont incroyables, et tu t'en souviens. Ah non, vraiment, elles sont trop cool. Allez, let's go. Utilisation du point de téléportation. Ok, je peux m'y TP, ça sert à rien, mais ok. Tu es sain et sauf. Je le savais. Je savais qu'un jour, tu viendrais ici. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu dois tout d'abord obtenir la carte représentant sa structure interne.
Ouais, il me semble qu'elle est pas dure là. Voici la pierre guide qui contient cette créature divine là. Il te faut l'atteindre. Ok. Alors du coup, question que je me pose. Est-ce que toi, arc de lumière, est-ce que arc de lumière one-shot tout? Arc de lumière a l'air de tout one-shot, hein, clairement. C'est pas mal, on va le garder, hein. On va le garder, ça a l'air pas mal. On va juste pas l'utiliser pour des trucs de merde comme ça. Wing. Oui. Ok. Alors la carte. Bon, la carte que j'ai jamais compris trop à quoi ça servait, à part voir les points et activer le mécanisme de la créature. Pas vraiment une carte, hein. Tu as trouvé la carte de la créature divine. Regarde-la bien. Tu vois ces points brillants? Ils représentent l'emplacement des différents terminaux de contrôle. Il te faut tous les activer. Ainsi seulement pourrons-nous récupérer le contrôle de Ruta. Courage, tu y arriveras. Oui. Ok. Alors, où est la suite? On peut aller par là, il y a une sorte de mécanisme là. Ah bah attendez. Allez. Non. De l'autre côté. Ok. Ça se désactive pas, non c'est bon. Merci Manga Sekai pour le follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, il reste 4 terminaux, d'accord. Y'a rien dans l'eau? Ah! Si, à moi. Hop. Non, y'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Ah, si! Hé 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 hé! Ressort antique, ok. Là, je crois que c'est la salle du boss. Donc, rien d'intéressant à y faire pour l'instant. Ouais. Ok. Allons par là alors. C'est un peu le seul chemin qu'on a. Sers-toi de marrage quand tu veux. Oui, bon, je sais pas si ça va m'être très utile, mais ok. Je prends. Regarde s'il n'y a pas des coffres, des trucs. En fait, elle est, je la trouve très linéaire, moi, cette. Cette créature. Là, on peut tricher un peu. Hop, oh là. Je pensais pas aller aussi haut, je vous avoue. Je pensais pas que j'irais si loin. Je voulais juste prendre ça à la base. Pour éviter de me faire chier après. Rubis argenté. J'aime pas comment on y va de base. Je crois qu'il faut monter tout là-haut et tu sautes. Juste par à voile. Par là, on a quoi? Ah, rien du tout. Ah, si tu peux monter là. Et... Ah, il y a un truc à activer juste ici. Et là, il y a un coffre. Et si je descends, ça me ramène là où on était. Ok. Là, il y en a un. Donc, faut que je rythme le mécanisme au bon moment, j'imagine. Mais il y a de l'eau, comment je fais? Ah, ça va peut-être juste faire baisser l'eau. Hein. En fait, oui, voilà.
Pas forcément besoin. Il reste encore 3 terminaux de contrôle. Encore 3 terminaux. Ah! Ouais. Ah oui, non, ça augmente le niveau de l'eau quand même, ok. J'ai pas vu s'il y avait un coffre. Je trouve qu'il y a un coffre d'un côté, j'ai pas vu. Pas du tout fait gaffe. Est-ce que vous voyez un coffre? Ah non, je me suis fait eu. Non, il y a pas de coffre. Je pense qu'on a fait un tour, là, il y a pas de coffre. Y'a pas de coffre. La question c'est pourquoi je fais ça, parce que dans tous les cas... Ah mais oui, mais ça y est, je viens de comprendre. Excusez-moi, je suis loin la détente. Un peu plus? Peut-être même jusque là? Let's go. Alors il y a très certainement des coffres. Hein. Là cette fois il y a très certainement des coffres. Ok, ça active un truc. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de coffre. Dépêche-toi. Ok, je pense qu'il y en a un, pas deux. Alors, comment je m'occupe de ça, moi? Donc là, il y a un truc. Faut l'immobiliser. Ah, il faut qu'il reste dessus. Voilà. Et en gros, ça ouvre en bas et en gros, faut que je le... Faut que je le bloque pour pas qu'il redescende. Et que du coup que je puisse accéder au truc. Il reste encore. Vite, non, je pourrais pas. Va falloir que j'attende encore un tour pour avoir le coffre. Oh la loose. Ah parce que du coup on a quasiment tout fait là. Il reste là-bas peut-être et après terminé. On a fait toute la... Toute la créature. Non vraiment je la trouve très facile celle-là. Hein. Comparé à d'autres où faut réfléchir un peu plus. Je sais pas, peut-être parce que c'est celle qui m'a le plus marqué, je sais pas. Ou un peu tôt, non? Dépêche-toi, Link! J'ai failli me faire écraser. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah c'est un raccourci, ok cool. Pour éviter de refaire tout le chemin. Si je vais là, y'a rien. Ouais ça me ramène en bas. Non vraiment c'est tout droit la créature divine. C'est...
Tout va bien. Alors t'as un point sur sa trompe. Du coup j'imagine qu'il faut la faire descendre au maximum. Ouais. Alors la question c'est comment je vais là-haut moi. Ça c'est mignon mais je peux pas. Dans le doute on va faire ça. Ah, c'est absolument pas ce qu'il faut faire je pense. Parce que normalement t'es pas censé utiliser Revali. Mais bon ça fait le taf hein. Moi je voudrais juste qu'elle soit un peu plus droite. Ok, bah je crois que de toute façon tu peux la mettre au max. Hein. Tu peux la mettre au max pour activer. Vas-y Link, vas-y, tu peux le faire. Il ne reste plus. Voilà. Et du coup, ça me permet quoi? Ça me permet d'avoir accès à... Oh là, oh là. Attends, tu vas un peu trop là. Ça me permet de détruire ça là-bas. Est-ce que ça détruit de l'autre côté aussi? Ah oui. Il n'y a pas de coffre de l'autre côté. Ok. Ok. Je pense pas qu'il y ait... Je pense que j'ai fait tous les coffres honnêtement. Ah, il y en a un là. Ils étaient demandés, je le ferai en dernier. Ensuite, comment on s'occupe de ça? Un œil. Ok, il a pas eu le temps de cracher son truc. Alors je crois. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est ça. Faut le descendre à peu près là. Et là, faut ouvrir pour éteindre le feu. Alors l'eau, non, encore un peu. Voilà. Parfait. Tranquille, hein. Si tu examines ta carte, je t'en prie, reste sur. Il y en a un coffre. On va juste activer du coup le détecteur pour les coffres. Au cas où j'en ai raté, mais je pense. Honnêtement, je pense pas, hein, vu. Vu la taille de la créature. Évidemment, il y a celui-là ici. Je pense qu'après, on est bien. Hein. Alors, hallebarde. Mignon, il est mignon l'hallebarde, mais. Oh, l'épée de légende, elle est utilisable tout le temps ici? Ok, je savais pas. Bon à savoir. Ouais, du coup, épée de légende, into arc du crépuscule. Et je pense qu'on est bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre, hein. Je crois qu'on a tout fait. On a fait toute la zone, ouais. Non, ça bip pas une seule fois. On a tout fait. On a tout fait. Bon bah c'était rapide effectivement. C'était très 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 rapide. Quel style. Vous savez quoi, pas encore plus de style. Dieu démon, non pas dieu démon, pas du ciel, crépuscule, voilà.
Voilà, et là on a le style infini. Et on est parti. C'est trop classe, avec le Link comme ça, il est trop classe. Ouf, bah mon bouclier va servir à rien. Attends, je le prends en photo. Alors. Ça fait quoi l'arc de lumière? Ah, ça lui fait des petits dégâts, hein, mais... L'arc de lumière, pas fou, hein, sur les gros boss, inutile, hein, honnêtement. Ouais. Calme-toi. Ah, il s'est TP au moment que j'allais le faire. Quelle arnaque. Chut, avec l'épée de légende, c'est pas la même, hein. Ok. Oh, c'est simple. Ouais, mais attends, j'ai pas le temps, je suis loin. Ça fait pas tant de dégâts que ça, les flèches archéoniques, hein, vraiment. C'est vraiment pas ça, hein. Un coup. Oh l'arnaque. Bon bah on va le tuer à l'épée, hein. Enfin l'épée à l'arc. Flèche lumière. Let's go. Trop de style. Oh c'était simple, hein. Cette attaque de cœur. Du coup, on est à 15. Et ça, c'est cool. Parfait. Je pense qu'on augmentera l'endurance maintenant. Pas trop d'intérêt d'augmenter autre chose. Yo Valinox, ça va bien et toi, tu as raté la créature divine. Et du coup, t'as la cinématique incroyable de la fin. T'as le meilleur. T'as le meilleur. Moi, ça va très bien.
Merci. Grâce à toi, mon âme a été libérée. Et nous avons récupéré Ruta. En revanche, nous ne jouerons plus jamais ensemble, comme nous le faisions autrefois. Mon pouvoir de guérison, maintenant que je ne suis plus qu'une âme, je ne peux plus l'utiliser. Alors, je te le confie. Reçois mon pouvoir, la prière de Mipha. Comme j'ai souffert pendant tout ce temps. Je pensais que je ne sortirais jamais d'ici, que je resterais prisonnière, toute seule, pour l'éternité. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu es venue me sauver. J'ai la chance de pouvoir te revoir. Et à présent, je sais que mon pouvoir est en toi et qu'il te viendra en aide. Alors, je me sens beaucoup mieux. Bien. Il est temps. Ruta et moi avons une mission à accomplir. Nous te soutiendrons lorsque tu combattras Ganon au château. Cette fois, nous réussirons. Link, la princesse Zelda, elle t'attend. Sanctuaire qu'on n'a pas fait. Moi, c'est tout ce que je vois dans les cinématiques, c'est les sanctuaires. Les sanctuaires pas finis, moi, ça m'énerve. Ma très chère, je vais pouvoir aider Link. Lorsqu'il combattra le fléau Ganon au château d'Hyrule, nous serons là pour lui. Tu devras lancer une attaque pour affaiblir Ganon autant que possible. Pour Link, c'est tout ce que nous pouvons faire. Notre dernière contribution. Si nous parvenons à sceller Ganon, la paix reviendra en Hyrule. Toi et moi, nous aurons accompli notre mission. Père, j'espère que vous allez bien. Je sais que je n'en ai fait qu'à ma tête. Et je vous ai causé tant de soucis. C'est Pyrogod pour le follow. Vous revoir une dernière fois.
Follow au bon moment. L'instant émotion est... Saté, saté, saté. Let's go. Ok, pouvoir le plus cheaté du jeu. Ok, let's go. Bien écoutez, que faisons-nous maintenant? Déjà, on va retourner voir le daron pour finir la quête. Et après, honnêtement, aucune idée. Aucune idée de ce que nous pouvons faire. C'est pas une cinématique, je crois, donc je peux rester. Enfin, c'est une cinématique, mais y a pas de voix, quoi. Donc c'est bon, je peux rester. Ok. Qui possède la lame purificatrice, et ouais, mon gars. Je suis en train de me dire, j'aimerais bien essayer de refaire. De faire en stream pour la première fois les épreuves de l'épée, mais en mode de cheater, donc passer à travers les murs et aller directement à la salle du boss. Mais je sais plus exactement comment on fait, donc faudrait que je le revoie pour la prochaine fois, peut-être plus, ça sera mieux. Ok. Du coup, il me donne une arme. Faut que je me sépare de... Ouais, hop. Hop là. L'âme d'écaille radieuse. Incroyable. Alors du coup, on va juste faire ça vite fait. Hop. Voilà. Du coup, c'est parfait. On a plein de petites quêtes, je crois, à faire par-ci par-là. Donc, est-ce qu'on resterait pas au domaine Zora pour faire des quêtes? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a à faire. Ah bah tiens. Ouais, c'est bizarre ce que tu chantes. Ah, c'est pour un sanctuaire en plus. La chanson de la fête. Narutel, elle s'appelle. Vous avez appris la chanson de la fête. Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. Pourquoi le socle de Serra? Cascade de Serra. Il y a la cascade de Serra, donc c'est peut-être là-bas. Hein. Peut-être, très certainement. Du coup, ça dit quoi? Brise le socle de Serra. L'épreuve est dans la rivière. Mordant sera la personne qui... Mordant? C'est qui Mordant? C'est pas... celui qui est avec le roi? Je sais plus. Ah, il est pas là. Peut-être par là. Qui est Mordant? T'appelles comment toi? Non, lui c'est Clavier. C'est Basse. Ah, toi t'as une quête. Quelqu'un qui aurait cru qu'elle peut venir. Ça vous intéresserait de relever un autre défi? Exterminer l'inox de l'étang de l'Ars. Bah ouais, de ouf.
Bon bah voilà. Une autre quête, on va faire les quêtes hein. On cherche Mordant. Ah c'est pas lui. Non, là c'est Mérite. Il est où Mordant? C'est si beau de plonger. Pas compris ce qu'il voulait que je fasse. Il veut que vous sautiez dans l'eau la tête par la première et non. D'accord, si tu veux. Attends, laisse-moi juste m'équiper de la tenue. Vite fait, voilà, merci. Voilà. C'est tout. Après c'était rapide mais quand même. Attendez un peu mieux. Quelle déception. Alors Mordant. Ah mais il va être tout, moi j'en sais rien d'où il est Mordant. Je sais même pas c'est qui. C'est le problème, c'est que je sais pas qui c'est. Peut-être lui là-bas. Bonjour. Non ça c'est Nelto. Ah lui, c'est lui qui répare la lance d'écailles radieux si je la casse. Ok. Parce que je m'en viens aller le voir parce qu'il me dira peut-être... Mais il est où Mordant? C'est ça la question. Salut Pyrogote du coup. Désolé, je n'ai pas beaucoup le chat, je cherche un personnage. C'est la misère. J'espère que tu vas bien en tout cas. Je sais même pas c'est qui. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient en dehors du domaine Zorin. C'est juste qu'il y en avait tout à l'heure, mais... Vous avez pas de quête, vous. Non, elle a pas de quête, elle fait rien. Pouf. Peut-être lui là-bas. Non, il paraît que Ruta s'est calmé. Pourtant. Ah, c'est toi, Link. Excuse-moi, je pensais à voix haute. Bien, c'est ma femme. Je vais la chercher, il n'y a pas de souci, je vais aller la chercher, je sais pas où aller, mais... C'est toi, Mordant? Non, ça c'est Jitato, il a une quête. On peut tout noter... Même si son Altesse Mifa n'est plus là, c'est bien ça, je m'appelle Jitato, excuse-moi de ne pas m'être présenté plus tôt, je suis un historien... Les 10 pierres de mémoire disséminées autour du domaine sont sûrement dans la tête. Hein. Ressembler les histoires gravées sur ces pierres dans un livre... Avant qu'il ne soit trop tard. Ok, donc là, faut trouver toutes les pierres. Il y en a 10, c'est énorme, 10. Hein. Bon, bah, je crois qu'on a trouvé ce qu'on allait faire. On va faire toutes les quêtes. Et je cherche Mordant, bonjour. Il est où, ce con? Non, ça c'est Taka. Ça c'est Sébas. Qui est Mordant? Lui peut-être? Non, ça c'est Birutan. Rémus. On est foutu. Il n'existe pas de Mordant en fait. Il n'existe pas. Plat. Il n'existe pas. Non mais vraiment, t'es censé le trouver où? Peut-être lui?
Bonjour, vous appelez comment? Lui, c'est Gamma. Non, je veux pas dormir, je cherche Mordant. Il existe pas. C'est faux. Mais je crois que Mordant, c'est celui qui tirait des flèches électriques, mais il est pas. Il est pas là. Ça, c'est Cléfa. Ouais, non. Non, il y avait un Mordant, il me semble, mais... Bon, à tous les coups, il y a un Korogu tout là-haut, hein. Ça, c'est garanti. Ah, il y a un coffre, là. Y'a quoi dans ce coffre? Bouclier Zora plus 26, eh ben dis donc. Bah écoutez, on va aller là où on pense que c'est la chanson de la fête. Ah bah de toute façon il m'indique là-bas. Ah mais est-ce qu'il m'indique pas Mordant en fait depuis le début? Oh mais si en fait, mais putain, je suis trop con. Je suis trop con putain, il est là depuis le début. Depuis le début la quête me l'indique en fait. La lance de cérémonie. Elle est utilisée pour la fête du prodige, une fête au cours de laquelle nous célébrons Mipha. Et si j'ai en utilisé une copie de la lance des cahiers radieux. Je voulais que Nelto l'examine, mais elle m'a glissé des mains en chemin et tombée en haut du pont. Tout en fabriquer une nouvelle. Si jamais quelqu'un venait à la retrouver, il n'aurait qu'à la garder. Hmm. Ah d'accord, c'est absolument pas pour... Mais normalement c'est pour un sanctuaire, non? Ah oui, je la vois. Je l'ai vu. Très rapidement, mais je l'ai vu. D'ici, ça devrait le faire. Alors, viens là, vite fait. Oh, mais là, elle va tomber. Lance de cérémonie. Effectivement, c'est la même. Hein. Jette-moi ça, c'est nul. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Faut que je lui rapporte. Oh, j'ai un point sur la quête, on va aller voir. Bah, je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Salut, je l'ai. Tu peux garder, ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu veux? Juste qu'il y a une épreuve, c'est du moins ce que dit la légende. Ok, non, c'est vraiment ça. J'imagine qu'il faut que je lance la lance d'une certaine façon. Pour activer l'épreuve, j'imagine. Aucune idée. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, d'accord, ok. Il y a carrément un socle. Ça a pas l'air d'être ça. Ça a pas l'air d'être ça. Je pense parce qu'elle est pas dessus. C'est quoi l'épreuve? Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. D'accord, donc faut que j'aille en haut. J'imagine.
sinon j'ai pas trop compris le truc. Ah non, ça one shot pas l'arc de lumière. À la tête par contre peut-être, ouais. Ouais, je suis pas convaincu de l'arc de lumière. Aïe. Ça marche pas trop. Qu'est-ce que je suis censé faire? L'épreuve est dans la rivière. Il faut que je passe, putain. Oh non, elle est tombée. Non. L'épreuve est dans la rivière, je comprends pas. Pas vraiment pas ce qu'il faut que je fasse, hein, honnêtement. Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. L'épreuve est dans la rivière. Je pense qu'il faut que j'attende que le soleil tape assez pour qu'il se passe un truc, peut-être. Je pense qu'il faut attendre qu'il fasse assez jour, peut-être. Si j'attends jusqu'à midi. Là, ouais, non, mais la lumière n'y est pas. Hein. La lumière n'y est pas. Il est tout le temps allumé, en fait. Si je pourrais pas, ça s'allumerait pas. L'épreuve est dans la rivière. Ouais. Jusque-là, ouais. Jusque-là, tout va bien. Il me dit que c'est là, hein, mais... Ça a marché? Non. Ça marche vraiment pas. Oui, parce que je vais mourir, ça continue. Merci. L'épreuve est dans la rivière. Je comprends vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. Hein. Haut du ciel. L'épreuve est dans la rivière. C'est quoi le socle de Serra? Là, on a la cascade de Serra. Le socle, c'est là où je suis. Bah quoi? Ah non. C'est étrange.
D'accord, faut faire ce que j'essaye de tout juste de faire, mais depuis tout en haut. Oh non, mais c'est comment tu veux le savoir? Est-ce que j'essaye? Mais je vais mourir en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie d'essayer, c'est juste que je vais mourir. Je vais juste mourir comme un débile. Heureusement que j'ai le pouvoir de Mipha. Hein. D'accord, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au moins c'est passé. Faut le savoir, hein, faut le savoir. Parfait! On va rester en Zora parce que dans la zone ça va être beaucoup plus simple. Ok, parfait. Après on a les 10 trucs à faire. De toute façon on va faire toutes les quêtes. Hein. On va faire toutes les quêtes. Ce sera fait. Même s'il y en a qui sont un peu relous on dirait. On va les faire. Ça nous amènera très certainement à des sanctuaires. Ok. Wing. Ensuite. Après on a plein de trucs à la con, ça c'est les quêtes IX. On s'en fiche. Village des limites, domaine Zora, chasse aux géants. Le géant de l'étang de Lars. Bah il est là-bas, on va aller se le faire. Il part là. C'est sur notre chemin, let's go. On va pas faire les Kurogu non plus, on les fera... Les Korogu, on les fera à un moment précis. Peut-être à la fin du stream, on fera une zone, à la limite. Et encore. Et encore. Alors, on entend Monsieur Linox. Ok. On a une autre arme. Voilà. Alors, c'est toi? Il faut qu'on tue? Ah, il m'a entendu. Dépêche-toi. Voilà. C'était dur. Nox noir, je l'ai pris en photo. Arc royal. Albarde de chevalier, on l'a jamais pris. Et voilà. Ça, c'est fait. Pierre de mémoire, cœur à la dérive. Vous allez chercher Mergue à sa place. Peut-elle bien se trouver la cachette du héros. Baie du Nord. Ah, ok, c'est encore autre chose ça. On va faire les pierres de mémoire du coup. Ça a l'air bien casse-couille. Ah, sauf si tout est marqué. Non, en vrai, si toutes les pierres sont marquées, ça va pas être dur. Hein. Ah non. De mémoire. Ah, faut peut-être que je lise la première, remarque. Faut peut-être que je lise la première. Oh, cette épée, ça ira plus vite. C'est vrai qu'à côté du mec qui m'a donné la quête, il y en avait une. Je l'ai pas lue. Fallait peut-être que je la lise. Et du coup, ça se trouve, la carte m'indiquera où sont toutes les autres. Qui seraient pétées, mais qui m'arrangeraient parce que flemme. Donc en vrai, pourquoi pas.
Ah, je sais ce qu'on pourrait faire aussi. Faire commencer à 4-2-0, ça peut être pas mal. Effectivement, ça disparaît un peu. Hein. Ok, et du coup, ça compte ou pas? Ah, ça compte pas, d'accord. Ah ouais, non, en fait, tu sais absolument pas où elles sont. Mais je crois qu'il suffit de suivre le chemin de base et t'en trouves, il me semble. On va chercher un petit peu partout, on trouvera bien. On check bien. Je crois que c'est au niveau, de toute façon, tu suis la rivière et t'en trouves. Le chemin de base. Il y en a une là-bas, je crois. Ah, là-bas, il y en a une. Voilà. Il y en a une là-bas. Ouais. Suffit de suivre. Comment on y va, là-bas? Ouais, là-bas. Après, avant le pont. Ok. J'ai cru qu'il y en avait une là-bas, pas du tout. Là, il y a deux petites torches à chaque fois, ok. Bah let's go. Sort des auras chapitre 7. Vas-y, flemme de décrypter le truc. Ok. Ah, c'est ça qui parle du casque Zora. Et que du coup tu... Ah, c'est peut-être grâce à ça que tu le trouves. Du coup, en plus des ruines. Je me disais aussi, ça me paraît quand même vachement compliqué à trouver. Raté. Il m'esquive. Pas du tout. Puisqu'il suit le chemin. Lance mobline. Je pourrais aller directement à celle là-bas, mais il y en a peut-être ici que je vais louper, donc prenons le chemin qui nous est donné. Ah, j'ai plus d'épée royale. Oui. Why, comment il m'a rush. La vache. Calme-toi. C'est relou. Oh, tout en haut, il y en a une. Tout en haut comme ça, là. Qu'est-ce qu'il est grand, ce jeu. Non, mais il est gigantesque, hein, vraiment. Si tu te téléportes pas sans tricher, utiliser des bugs ou quoi, c'est long d'aller d'un bout à l'autre de la map. Hein. C'est long. Vraiment, c'est grand. Hein. Rien que pour aller sur cette montagne, je pense, sans me téléporter ou quoi, je mets bien 10 minutes. Hein. Alors que ça paraît pas si loin comme ça. Peut-être même plus. Alors... Depuis ici, est-ce que il n'y a pas une stèle ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah, il y a un Korogu par contre. Hop. Ça je prends. Alors qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout? Pas de d'écriture? Non, du rien du tout. Oh mais c'est pas grave, hein, mais... Okay. Ah, il y en a peut-être une là, remarque. Là, il y a un monsieur. Il est mort. Maintenant, il est mort. Par une baguette, il donne rien du tout.
Baguette électrique, non mais. J'entends un petit Korogu. Ah, il est en bas. Oh, tu m'arranges pas, Korogu, tu m'arranges pas. Oh, il y a une stèle! C'est à numéro 6. Histoire des auras. Attends, ah merde, c'est... y a pas que des... D'accord. Oh, celle-là, elle est pas... Ok. Bon, je lis pas l'histoire, hein, désolé. Genre, on peut remonter. Énervé, lui. Ok. Ça m'étonnerait que juste là-haut il y ait une stèle ou quoi que ce soit, mais bon. Sachant qu'il y en a une juste là, je pense pas qu'il y en ait une autre. Même si là je vois un petit chemin. Non, je pense pas. Alors là il y a un sanctuaire, faudrait qu'on aille le faire. Ah, il y a l'air d'avoir un truc en dessous, mais. Non. Clairement pas, même pas le petit chemin là-bas. On sait jamais. Et ouais, comment j'ai bien fait ? Pardon. Comment j'ai bien fait ? Comme quoi ? Chapitre 6. On en a combien là ? 4 ? 5 ? 4 je pense. On est à... Ah, on en a eu que 3, c'est tout ! Merci, pseudo-imprononçable. Mais merci beaucoup quand même. Mais pourquoi avoir choisi ce pseudo ? C'est ça la question. Pourquoi ? Explique-nous la démarche. Tu peux dire j'ai lu, ok ça marche. Ça marche, mais faut m'expliquer quand même. J'espère que tu vas bien en tout cas. Alors peut-être par là aussi alors. Ok, tac 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 tac. Ouais, ça m'étonnerait que le caillou là-bas cache une stèle. Absolument pas. Un coffre, waouh. Si c'est pas des rubis, c'est de la merde. Tout va bien. Tout va bien, je suis pas énervé. En dessous, là, ça peut pas être une stèle. En fait, je sais pas jusqu'où ça s'étend. Il y en a une là-bas. On voit une là-bas qui a l'air solo. On va la noter au cas où. Ah, il y en a encore une en dessous, hein. Mais comment on y va, là ? Oh non, mais en fait, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Coller sa tête. Le principe de rouler sa tête. Ah oui, d'accord. Vraiment, il n'y avait pas d'idée, quoi. Ok, bon, j'ai la flemme de lire l'histoire. Hein. Elle doit être très intéressante, quoique. Mais flemme. Non, j'ai recliqué dessus. Quelle erreur. Non, ça parle de Mifa et tout. Il y en a une là-bas. Donc là, on est à 6. Il y a un Korogu. On va peut-être aller faire le petit Korogu. Mais du coup, ça m'intrigue. Si je continue la route, il n'y en a pas d'autres. Continuons quand même. Non, y'a rien. Et vraiment, c'est juste un petit morceau de... Une étoile filante qui est tombée, non ? J'ai cru voir une étoile filante, mais je suis pas sûr. Non, je crois que j'ai fumé mon étoile filante. Allons faire celle-là, qui aussi est toute seule. Très bizarre, hein.
Non, je fais deux fois la même erreur. Ok. À combien sommes-nous ? Nous sommes à 5. J'en ai vu une tout à l'heure. C'est pas encore au goût, ça, non. Oula. J'étais un petit peu optimiste sur mon endurance, là. Non, c'est bon. Salut ! Allez, à plus. Je crois qu'il y a du monde ici, c'est pour ça. Un peu la misère. Ouais. Et donc par là, notre stèle qui nous amènera à 4. Merci Royal Corn Dog pour le follow. Merci beaucoup. Et pose-toi tranquille, j'espère que tu vas bien. Hop là, alors. Ouais. Non mais ça doit être très 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 intéressant. Vraiment, mais moi je veux juste la récompense qui a intérêt d'être bien. Hein, parce que si c'est une récompense de merde, je vais être fâché. Je vais être fâché avec le jeu, on est d'accord qu'on est à 4. On est à 4. Où sont les dernières? Je vais faire le Korogu là-bas. Ça sera fait. Alors, faut s'accrocher. Hein. Chaque fois j'ai l'impression que c'est une stèle ça de loin, mais pas du tout. Non, il y en a pas. Pourquoi tu ne prends pas d'endurance pour plus de challenge? Pourquoi je prends des cœurs à la place de l'endurance, c'est ça? Parce que je voulais avoir l'épée de légende. Du coup là, maintenant à partir de là, je vais prendre de l'endurance, je pense. J'essaie d'équilibrer quoi. Tout simplement. Ouk. Je suis pas non plus extrêmement doué à ce jeu. Donc enfin, même Revali ça suffit pas à aller la vache. Ok. Ça met combien de temps à se recharger, Mifa? 10 minutes, ça doit mettre une demi-heure, non? Non, peut-être 20. Je sais pas. La colère d'Urbosa en tout cas, est c'est à long. Disposition. Ça, c'est sûr, c'est long. Alors, les stèles. Un petit coup de Revali là, voir vite fait. Où est-ce que je pourrais en trouver? Là-bas, c'est sûr qu'il y en a. Là-bas, il y en a, c'est obligatoire. Salut! Oh, il m'est passé par-dessous! Comme ça, j'ai aussi tué ceux en dessous. Oh non, l'outil a résisté, il doit être électrique. Pour résister, il doit être électrique. Enfin, il a des armes de fou! C'est assez chaud quand même, tu m'étonnes! 3 cœurs en expert. Oh. Trop de challenge. Trop de challenge pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pêche en bois, perche grillée, ok. Non, ça me fait des photos. Eh bah dis donc. On s'est mis bien là. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de stèle ici. Hein. Je refuse. Ouais, mais il n'y en a pas. Ouais, calmez-vous.
C'est une blague, y'en a vraiment pas? Mais non. Aïe. Oh la blague. En dessous peut-être? Là y'a un Korogu. Même pas! C'est quoi cette histoire? Ah y'en a une là-bas. Salut. Le dernier coup servait à rien. C'est pas grave. Ok, on est à 3. Non. Pourquoi je fais tout le temps la même connerie? Ouais, plus que 3. Ça, c'est pas si chiant. Elles sont assez regroupées. Tac, tac, tac. Non, ça, c'est juste un point de repère pour te dire, ouais, t'es bien là où il faut que t'ailles. Je pense que les autres sont plus bas. Sur la colline, comme ça. Celle-là, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, je crois. Quoique. Est-ce que c'est vraiment celle qu'on a fait? Oh merde. Discret, c'est con. Est-ce que c'est vraiment celle qu'on a fait? Je pense. Aïe. Laisse-moi te paralyser. Let's go. Oh non. On a oublié l'autre ou... Ah non, je pense qu'il... C'est un petit peu perdu dans l'eau. Pourquoi il y a l'air d'avoir un chemin ici? Non, ok, j'ai cru. Où sont les dernières? Ah, j'ai pas eu elle. Dégage. Dégagé. Oh mais non mais... En mourant, elle m'a touché. Une blague. Pas encore au goût ça. Ça m'a étonné. Pas de stèle dans tout le truc là. Oh, salut. Mince, mais j'étais pas prêt, Bon bah.
J'étais pas prêt. D'accord, bon bah je trouverai le reste plus tard. Donne des quêtes. Et ici. Méchant là-bas. Il va se bloquer ou ça passe? Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Dégagez! Merci bien. Mais vas-y, descends, Link. Peut-être qu'en passant par là, on trouvera l'autre stèle, hein, peut-être. Avec un peu de chance. Sers-toi de ma rage quand tu veux. C'est bon, ça a résisté, ouais, ouais, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouf! Touché! Touché! Let's go! Je sais pas jusqu'où il faut que ça aille, mais. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de stèle ici. Hein. De toute façon, on va tout remonter. C'est sur le chemin, donc. En tout cas, depuis le début, c'est sur le chemin. Il devrait pas y avoir de soucis à les trouver. Il me manque combien? 2, 3? Il manque 3. Il y en a des poissons. Ah, tu fais un truc électrique. Il y a plus de poissons. C'était trop bien. Passe par là, non. Si je fais ça, parce que là il va se retrouver coincé le truc. Il va se retrouver coincé. Oh le diamant. Ah bah ouais. Et on continue. Merde, je glisse. Je glisse. Continue encore longtemps. En tout cas, tous les trucs que j'ai tués, ils continuent, ils partent à la dérive. Ça descend loin. Une trace. Pas de stèle. Quête la plus palpitante que j'ai jamais vue. Oh merde, c'est jeté à l'eau. Parfait. Pas de stèle. Quel dommage. Regarde quand même au cas où, hein, mais. Pas de stèle.
qui va le récupérer ce truc vraiment? Personne le récupère. C'est ça l'histoire. Personne l'a récupéré. Au secours, je fais n'importe quoi. Je suis bloqué. J'ai envie que ça casse tout ça. Voilà. Chier. Seul. Non, mais je fais trop de bruit, je suis pas silencieux. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Oh, il va me saouler lui. Lui il va être relou. Allez, meurs! J'ai autre chose à faire, moi! Il est où? Il est où? Ah, oh, il est parti loin! Ah. Qui va le récupérer? Comment ça se fait qu'il faut aller aussi loin? Vraiment, j'ai tout fait là. On va arriver au bout. Il va y avoir le camp de bandits. Personne va le trouver, hein. C'est ça l'histoire. Non mais c'est quoi cette quête? À quel moment ils se sont dit que c'était intéressant de la faire? En attendant, sur le chemin, j'ai pas vu une seule stèle. Hein. Donc c'est vraiment que les trois dernières sont pas loin de là où on était. Parce que vraiment... Non, les perches max. Non, je voulais choper les perches max. C'était des max, pas sûr. Y a personne qui va le récup là. C'est fou. À croire que c'est buggé. Genre, je vais le suivre, ça va aller. On va descendre jusque là. Bon, y a bien un moment où ça va s'arrêter. Genre, ça va passer soit là. Ouais, ça peut-être continuer. Oh là là, ça s'arrêtera jamais. On va le suivre, hein. Vite, vite, vite. Normalement, j'ai libéré le passage. J'espère que ça brûlera pas. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Pourquoi s'embêter? Mais qui va récupérer cette connerie, vraiment? Ah ouais, par contre toi tu m'attaques, peu importe si je suis gentil ou méchant, tu me casses les couilles. Et bah à plus. Je peux pas le récupérer.
Salut. Mais dites-moi qu'on est à la fin, je vous en supplie. Ah, il va arriver là. Il va arriver là, normalement. Y a quelqu'un là-bas? Y a personne. Mon dieu, cette quête infernale, mais c'est sérieux. Ouah, 10 flèches, merci. Y'a personne en plus, genre vraiment ça va être récupéré par personne, ça va arriver au bout et rien du tout. C'est fou. Je sais même pas c'est quoi la quête qu'on est en train de faire. C'est ça. Je peux pas la suivre donc vraiment faut... Faut juste que je regarde ce qui se passe. En espérant que ce soit pas buggé. Ah si, y'a quelqu'un, ok. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ok, bah dis donc. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah impeccable. Tout ça pour ça, je vous jure. J'espère qu'il y aura une belle récompense à la fin. Du coup. Et des trucs là-bas. On va se TP. On va se TP depuis Varuta. Comme ça, ce sera pas mal. Est-ce que je vois des stèles depuis ici? Il y en a une là-bas, mais je crois qu'on l'a déjà fait. Ouais, je suis quasiment sûr qu'on l'a fait. Où est-ce qu'il y en aurait d'autres? Peut-être là-haut, plus haut? Non, ça m'étonnerait. Mais est-ce que aussi bas je peux trouver des stèles? Vraiment pas sûr. Hein. Là il y a des trucs Zora, mais est-ce que. Est-ce que je peux y trouver des stèles? C'est vraiment pas sûr. Ça m'étonnerait même. Bon, moi je pense pas. Je pense pas que je puisse trouver des stèles ici. Si je descends encore, on n'est plus du tout domaine Zora, hein. C'est rien à voir.
Ouais, rien à voir. Oh mais je les ai peut-être loupées. Hein. Elles sont peut-être autour du domaine, peut-être. Autour du domaine, c'est pas une, c'est pas impossible non plus. En tout cas, c'est sûr, ça sera pas plus bas que ça. Hein. C'est vraiment, j'ai regardé pendant qu'on suivait la lettre. Il y avait rien. Impossible que ce soit plus bas que ça. Donc, il faut remonter. Pas de stèle là-bas. Rien du tout. Dans ma tête, c'est à son tout autour du... Autour du de la rivière, mais elles sont peut-être aussi autour du domaine. Je vais pas commencer à relire celle que j'ai vue, quoi. Ce sera complètement con. On a une là-bas, mais c'est sûr, on l'a fait. Là, c'est Varuta. Une là-bas, on l'a fait. Encore plus haut ? Non, parce que là, c'est là où il y avait l'inox, et il n'y avait pas. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. C'est fou, cette histoire. Là, il y en a une, on l'a fait. C'est pas rien quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un petit indicateur qui pourrait me dire ah oui, c'est là. Pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ouais, clairement pas. Clairement pas. Pourraient être les dernières stèles. Non, j'ai passé 2 heures à chercher une putain de stèle. Après, j'essaye de le faire legit, hein, mais... Peut-être là. Remarque. Pas impossible, mais... J'y crois pas trop. Aïe. J'ai pris un mur. M'étonnerait quand même que ce soit là. Pardon. Peut-être par là. Par là, ça me paraît plus. On n'a pas trop eu, je crois, par là. Allons checker. Merci, Merguez Matisse, pour le follow. J'espère que tu vas bien.
Et là, il y en a une, il me semble. On l'a déjà faite. Attendez, je sais même plus où on est, en fait, là. Non, je crois qu'elle est au-dessus, celle qu'on a vue. Au-dessus encore, là, on est trop bas. Il est là, l'autre truc. Celui-là, on l'a vu. On l'a fait, il était beau. Et quand tu vois que celui-là est super loin du reste, et de la route, tu te dis, ouais, à tout moment, j'en ai raté un, quoi. C'est largement possible que j'en ai raté. Quand tu vois où est celui-là, c'est quand même une dinguerie. Hop, alors. Toujours à la recherche de mes stèles. Touk 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 touk. Ouais. La colère d'Urbosa est à ta disposition. On a pas vu une stèle. Bonjour. Je cherche une stèle. C'est fou que je les trouve pas. Là, il y en a une, je crois, non? Même pas. Il n'y en a pas dans le coin, c'est bizarre. J'espère qu'il n'y en ait pas trop dans ce coin. Il n'y en a pas. Il y en a une là, mais elle, évidemment, je l'ai déjà fait, là, en plein milieu. Est-ce que celle qui me manque ne serait juste pas autour du domaine, quoi. Ah. Non, c'est juste un coffre. J'allais dire peut-être là, mais non, ce n'est qu'un coffre. Peut-être s'il n'y en a pas en bas, mais... Aïe, 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 il m'en manque 3. 3, c'est beaucoup, 3. Oh, il y en a une là-bas. Vu. Ok. Donc c'est bien comme je le pensais autour du domaine Zora. Ok, on va les avoir. Je pense que les trois qui me manquent sont autour. Un là, est-ce qu'on voit pas les autres d'ici? À tout hasard. Bon, continuons, on verra bien. Peut-être même qu'il y en a une là. Hein. Clairement pas impossible. Il y en avait peut-être même une au niveau du linel, hein, ça se trouve. Alors comment je monte là-haut, comme ça. Avec de l'escalade. Voilà. Voilà. Encore un peu haut. Oula, je l'escalade ça? Sers-toi de ma rage quand tu veux. Il y a la rage de Revali. Au pire. On va le faire. Est-ce qu'on voit les autres? Ah, peut-être là-bas. Eh bah dis donc, t'étais bien caché toi. C'est là que ça compte pas. Il en reste 2, ok, ça a compté.
Alors là, s'il n'y en a pas une, juste en dessous de là où je suis ou de l'autre côté. Honnêtement. Non. Ce côté-là non plus. Quelle arnaque. Là, peut-être. Par là, il y en a une. Même pas. Mais il y en a nulle part. Mais elles sont où les autres ? Ah, j'ai fait le tour là. Le problème c'est que je commence à avoir fait le tour. Ça a commencé à devenir compliqué. Il manque deux. Le pire, c'est quand il va m'en manquer une. Manquer une sur les 10, ça va être beau, je vais rigoler. Mais y'a pas de stèle ici, mais c'est fou. J'ai pas envie de regarder sur internet parce que je suis bien parti là pour toutes les trouver sans checker internet. Essayons de le faire legit. Ah, y'en a pas. Non, mais là, c'est de là d'où je viens. Là. Y'en a pas ici. Oh, y'en a une là. Plus qu'une. Y'en a partout. Je suis sûr qu'il y en a une vers Linel. Y'en avait une vers Linel. C'est sûr, je l'ai pas vue. Non. Ok. Plus qu'une. Quelle idée d'écrire sur des stèles aussi loin du truc. Qui ira les lire? Personne. Yo. Alors. Je pense que vu que ça m'amène jusqu'au Linel, là où il y avait le Linel, il y en a une. C'est sûr. C'est sûr qu'il y en a une. C'est obligatoire. Donc là, il va me dire que c'est le mont de la foudre. C'est sûr, c'est évident maintenant. C'est évident. J'espère que c'est évident parce que sinon, je sais pas. Sinon, je sais pas où aller. J'espère que c'est évident. Tiens, c'est tout sec ici maintenant qu'il n'y a plus de pluie. C'est ouf. On n'a pas un. Y'a pas de stèle. Je me suis fait avoir. C'est ouf. Mais elle est où la dernière? Mais je vais mettre un temps fou à la trouver. Je vais mettre un temps fou. Une stèle, il me manque. Une stèle. C'est quoi une stèle? C'est rien du tout. Dans un truc aussi vaste. Vraiment. Une île là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas une petite stèle là qui traîne? En vrai. Autour de Varuta. Hein, de là où il y avait Varuta.
En vrai, pourquoi pas? Non? Moi, ça me paraît bien dans le coin, non? Là, une petite stèle bien placée. C'est sûr, elle est dans le coin. Je dis la même chose pour à côté du Linel et elle y était pas, mais. Mais là, j'y crois un peu plus. Ça me paraît grand quand même. Ça a pas l'air d'être dans ce côté-là. Peut-être par là, je ne sais pas. Mais si elle est loin de toutes les autres, c'est vraiment la plus éloignée. C'est vrai que j'ai révalié et tout, hein, parce que sinon, ce serait beaucoup moins fun. Hein. Là que c'est pas très fun, de base. Ah, il y a tellement moyen que ce soit là ou là-haut. Là-haut, à la limite. Mais là, ça sent plus le lieu un peu vide où il y a juste des korogus et puis terminé, quoi. C'est pour ça qu'une stèle me choquerait pas, y a pas de sanctuaire, y a rien, alors mets-moi au moins une stèle pour que ça... pour qu'on vienne ici au moins une fois pour une quête. Non? Non, vraiment pas? Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Ah mais c'est un Litorok ça. Bah oui. Ah tout de suite c'est plus clair. Tout de suite je comprends mieux. Y a pas de stèle mais y a un boss. Oh et en plus pas des moindres. Ah mais comment je te touche toi? Mais il est mignon lui. Oh il va être beau lui. Oh lui il va être mignon. Ah j'arriverai pas à le toucher. C'est comme ça. Ok. Parfait. Ah j'ai pas le choix. Hein. Dommage. Tant pis. Allez bisous. J'ai la flemme, hein. Oh, deux diamants, deux rubis. Oh là 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 là, on s'est mis tellement bien. Ça valait le coup de venir. Ça me donne toujours pas la stèle. De toute façon, il va falloir juste fouiller un peu partout dans la zone. Et au bout d'un moment, on la trouvera. Hein. Ça m'emmène où, ça? Ah, mais peut pas y avoir de stèle ici. Je pense qu'on est trop loin, là, pour le coup. On est vraiment trop loin. Par rapport au domaine, c'est... Ouais. Je pense même pas qu'on soit encore considéré comme dans la zone où il y a les auras, quoi. Ouais, ouais, non. On n'aura rien ici. On s'est trop éloigné. C'est vrai que je cherche les korogus, mais absolument pas, je cherche une stèle. Prendre compte de ma détresse, là. Ah ouais, non, mais rien à voir ici. Peut-être là. Parce que ça en parlait à un moment. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que là-haut, tout ça là. Hein. Après...
Après, plus d'idées. Honnêtement, plus d'idées. Il m'en reste qu'une, c'est ça qui est terrible. Il m'en reste qu'une. Alors. Après, on aura à peu près tout fait. On n'aura plus qu'à valider les quêtes. Et je crois qu'on aura fait celle du domaine Zora. Hein. En vrai, on aura à peu près tout fait. Ça peut pas être là, juste là, là, en contrebas. Je l'ai pas vu. Et puis voilà, on n'en parle plus. Ça peut pas être juste ça. Tellement plus simple. Enfin, l'endurance là. Allez. Allez. Oh, c'est la misère. Je crois des fois il me met à gauche alors que je vais à droite. Mais... Oh, ça coûte rien d'endurance quand tu fais ça? Ah oui, d'accord. Ah ouais, quand t'as vraiment le set de nage... La nage, ça fait plus peur. Hein. Trop bien. Let's go! Allez! Il pleut en plus. Parfait pour chercher une stèle, je vois plus rien. C'est génial! Ah, il a ça à glisser. Pour moi, elle serait plus vers la gauche, sachant que j'ai eu plus... J'ai eu des stèles par ici. Peut-être plus par là. Voilà. Si vraiment il y a une stèle, elle serait dans le coin. Selon moi, hein. Après, selon le jeu, c'est encore une autre histoire. Parce que le jeu, à tout moment, lui, dit l'inverse. Ah, mais je vais devoir trouver sur internet, hein. Pas me retaper toute la route. Moi, j'essaye d'explorer les zones où on n'est pas allé, hein. Mais pas de stèle, quoi. Il y en a juste pas. Donc bon. Oh, puis là, je vois rien. C'est terrible. S'il vous plaît, la dernière stèle. Là, il y a un petit chemin, mais bon. Ça glisse déjà. À pied, là, ça va être beau. On va dire que ça vaut le coup s'il y a la stèle. Mais si elle y est, quoi. J'en ai marre. Je veux finir ces quêtes.
Mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. En même temps, c'est une bonne quête de merde. On apprécie. Bah, rien me donner en plus. Et, je vais dire, ah, c'est bon, je vais tout trouver. Bah, merci, tiens, 100 rubis. Yes. Ah, y'a rien. J'essaye de voir parce que du coup les torches là on les voit beaucoup mieux. Bon, c'est pas ça quoi. Bon. Sûr à 100% là où il y avait l'inox, il y en a pas. Celle-là on l'a fait. Là il y a une torche mais il n'y a pas, là c'est un indicateur, là aussi c'est pour indiquer le chemin. Juste là je vais tomber parce que j'ai plus d'endurance. Fais chier. Je vois pas, je... non. Là-bas. Ah non, mais ça rejoint juste là où on allait, quoi, c'est... Je vois pas où ça peut être. Je vais regarder. Là, c'est... Je n'en peux plus. Alors attendez. Attendez. Celle-là je l'ai fait, ouais. Il y en aurait une juste en dessous là. Enfin. Non, plus. Plus là. Et comment tu veux la trouver s'il y en a une là? Une folie. Ah mais je l'ai pas... Si, non, j'ai trouvé celle-là, non? Je sais plus. Ah ouais, il y en a une tout là-bas. Non, je l'ai pas trouvé. Oh. Ah ouais, bon, je pense, sans chercher, je l'aurais peut-être vu. Je l'aurais... Ah, je sais pas. Mais tant mieux, au moins on l'a, c'est bon. Enfin! C'était compliqué, hein. Ok. Eh bah dis donc. On va mériter nos récompenses. Vache, c'est chaud celle-là. Je sais pas s'il y a des gens qui sont restés pendant que je faisais toute la quête, mais... Eh bah, je sais pas comment vous avez fait. Je sais pas comment vous avez fait. Mais s'il y en a, c'est une dinguerie. Ok, bon bah du coup récupérons toutes les récompenses de quête. Il y en a même une qu'on n'a pas fait, je crois. Hein. Il y a même une quête qu'on n'a pas fait. Où il faut retrouver je sais pas qui. Est-ce que je la fais maintenant? Ouais, on va quand même la faire maintenant. Ah, du coup, vous. Comment ça va? Oh, 300 rubis, bah dis donc. Votre quête était chiante, mais pas autant que l'estelle. Et je pense que ce que vous m'avez donné est beaucoup mieux que ce que je vais avoir par rapport au stèle.
Malheureusement. Ok. Oh, juste un diamant, c'est scandaleux. C'est scandaleux pour juste un diamant, quoi. Il y a un mec pour 10ème Nox, il m'en a donné deux, quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Alors. Du coup, il reste chasse aux géants. Faut que j'aille la voir pour lui dire que je l'ai fait. Caisse en rubis. Ça va, c'est par rapport à ce que je devais faire, ça me paraît cohérent. Et on a cœur à la dérive. Il nous reste à faire. Il y a une indication? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Tu peux me dire où aller à peu près? Après tout ce qui est à ton voir, peut-être si. Demande-lui n'importe quoi. Où peut-elle être? Le jour où Ruta s'est éveillée, elle a dit qu'elle partait pêcher sur les berges de l'Azora. Ruta a fait déborder la rivière et j'ai peur qu'elle ait été emportée par le courant. Dans des cas... Jusqu'au lac il y a. Non mais tu te fous de ma gueule. Mais le lac il y a, il est là-bas, non? Elle aurait pu dériver jusqu'au lac il y a, super. Non mais comment elle aurait pu dériver jusqu'au lac Ilia, sachant que le lac Ilia il est là-bas? Comment elle aurait pu dériver jusque là-bas? Ou alors il s'est planté, c'est pas Ilia qui voulait dire. Jusqu'au lac Ilia, non c'est vraiment jusqu'au lac Ilia. Alors à moins que je me trompe de lac, c'est une dinguerie quand même. J'ai la flemme. Désolé, je joue pas au jeu, mais j'ai la flemme. Ah non, elle est vraiment au lac Ilia. Je vous jure qu'elle est au lac Ilia. C'est une dinguerie. Donc en gros, la meuf, elle se trouve tout là-bas. Elle est là-bas. C'est n'importe quoi d'être aussi loin alors que t'étais là-bas, peut-être. Peut-être dans ce coin-là. C'est incroyable d'avoir dérivé autant. Bah écoutez, on va aller la chercher maintenant. On va aller la chercher maintenant. Parce que sinon je vais oublier. Jamais j'y arrive. Hein. Et quelque part autour de l'île là-bas. Je crois même qu'il y a un sanctuaire sur cette île, donc cool. Cool, cool, cool. Ah. Une 200. Let's go. Ah, et il y a le... Comment on fait un... Je sais pas du tout comment on fait. Tant pis. Il y a le dragon, il y a rien qui va. Oh let's go, il m'envole du coup le dragon. Attendez, j'ai pas le temps. Le dragon il me permet de voler, let's go. Vas-y, envole-moi le dragon, envole-moi. Trop bien. Oh let's go. Wouh. Oh let's go. Bon, je m'envole pas beaucoup, mais c'est toujours cool. Alors, le but, j'ai pas envie de lui tirer dessus, parce que de toute façon, je vais pas y arriver, je vais gâcher des flèches pour rien. Moi, je cherche la madame. La madame Zora. Dans le cratère, là, je crois qu'il y a un... Qu'il y a un sanctuaire, on va le faire.
Alors du coup, elle aurait dérivé dans le coin. Ouais. C'est pas elle là-bas? Si, c'est elle. Parfait, bah dis donc, je sais pas comment t'as fait pour atterrir ici, mais... J'étais bonne aujourd'hui, tu vas tirer un bon prix. Je l'ai complètement oublié, ah bah d'accord. 5 perches enduro, ok. D'accord, tout va bien. Ah du coup ça termine la quête, ok bon bah... Nice. On va juste faire le sanctuaire, puis je pense qu'on s'arrêtera là. On a bien avancé, on a fait toutes les quêtes des auras. Je pense, à moins d'en avoir loupé une ou deux, mais c'est pas mal, au moins on a bien avancé. Les auras, c'est fait. Et ça, c'est cool. Fendre les cieux. Alors, alors m'expliquer là, j'ai pas tout compris. Si je fais ça, et que je fais ça. Mal. Pas de coffre. Coffre. Même derrière, pas de coffre. Nope. Oh non, il y avait un coffre. Ok, on a tous les coffres. Impeccable. Et voilà. Quick. Quick. On a combien? 4? Ah non, 3. Dommage. Évidemment, je dis 4. Pas parce que je pense qu'on était à 4, parce que c'est bien d'être à 4. Voilà. J'ai dit au pif. Tant pis, il m'en manque un pour avoir de l'endurance en plus. On est pas mal niveau endurance, niveau cœur ça va aussi. On tombe pas sur des ennemis qui font trop mal. Ça va, et au pire si je suis dans la merde, bah masque Korogon, on n'en parle plus. Mais donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. La rediff, le stream, je vais couper en même temps. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je sais plus c'est quand j'ai dit. Oh, vendredi on continue du Zelda. Et la rediff, bah vous aurez ça quand je le mettrai en rediff. Sur ce, je vous fais des gros bazous, bonne soirée, bon après-midi, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Bye bye.